Juste les totems, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Le reste. J'ai vu les commandes, on peut faire spawn des events. Donc, avant de quitter le jeu, je lançais l'event et boucle. Ah, ça marche. Des bijoux, non, les trucs précieux, ça m'étonnerait. Mais on a un collier d'argent, ça peut être. Prends-le, écoute. Prenez-le, hein, contente. Hein. Mais est-ce qu'on a déjà assez de totems alors? Reprenons le buff oui, en forme. Bon. En attendant. Il y en a 5, on quoi, a c'est assez bon? de totems. Ok. Reprenons bien le buff en forme. De toute façon, on a de la bouffe. Tout le monde. Parce que le combat risque de durer quand même au moins 10 minutes. On Est-ce que je... Parce que là, il me reste une tourte, Reprends un ta bouffe. wrap Reprends, et là, une prends-la. soupe. Oui, mais attends, mais. Est-ce que. Na... Est-ce que j'en reprends avec moi? Est-ce qu'elle est toujours active ta bouffe? Attends, je regarde ton stream. Oui. Non, non, c'est bon là, en ce cas. C'est-à-dire que là, t'as pour plus de 20 minutes de fight. Hein, ça... Là, ça devrait être. Si le buzz dure plus de 20 minutes, ce serait très stylé, je mais ça l'ai pas m'étonnerait. réparé au final. Ok. Non mais Fonky, ça, franchement, ça sert à rien si tu vas dormir. Si c'est pour que tu dormes devant. En plus, moi, je bosse samedi dimanche et samedi je finis à 21h et dimanche à minuit. Donc. Ok. Vous avez pris les totems et le collier, c'est bon? Collier, je vais le reprendre parce que oh, j'arrivais pas à ouvrir les coffres. Donc. Tout le monde a réparé? Non. Oui. Réparé, réparé, collier, on est parti. J'ai pris les coffres. Azelos, t'as les 5 totems, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, en avant. Vous avez réparé. On va voir le cinquième boss du jeu, cher viewer. Cinquième boss, cinquième et dernier boss pour l'instant de Valheim. Quelle tristesse. J'espère qu'il sera résistant, qu'il sera bien dur et bien stylé. Et qui bug pas. Ok. Donc on attend que tout le monde soit là. Merde, c'est là. Avant d'invoquer quoi que ce soit. On fait pas une moon. Je ne me permettrai pas. Je l'ai pensé très fort. Il me manque Kamset. Ouais. Allez, vas-y, Azelos. Ok. Ok. Ah bah. C'est ça. En fait, en gros, l'action, c'est justement comme quoi on le. Reculez, Azelos, Tintnat, derrière. Moon, un peu derrière aussi. Kamset et moi devant. Il pop... Ok, il pop par là. Nathnat, regarde derrière toi. Yaglut, il s'appelle. Bon, sans surprise. C'est un putain de zombie. Oh, mon dieu. Il a l'air stylé. Merci pour Mazdos. Oh la vache! Oh, on est en train de le dépoper. Ok, il brûle. Potion anti-feu, tout le monde. Potion anti-feu, tout le monde. Go, go. Il va taper, il va taper. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là. Oh, j'ai plus de vie. C'est quoi ça? T'as pris ta potion anti-feu ou pas? Oh oui, je l'ai pris, mais. Ah, Pierre, moi aussi, j'ai pas eu ma vie. Oh la vache! Ok. Je vais attaquer un peu à l'arc. Je vais tempo aussi un petit peu, le temps qu'Amset prenne le relais. Et que les points de vie fassent le. Ok, c'est good, on y retourne. Après, on fait mal. Hein. Oh, il y a des météores. Faites gaffe, il y a des météores. Ouais. Vu. Oh putain de merde. Ok. Oh, la musique est stylée aussi. Ah, la musique est stylée. Il est où ce bâtard? Ah, en fait, c'est qu'une carcasse, il se traîne. Il a la colonne vertébrale qui traîne en fait. Attention, explosion. Oulala. Là là. Oh pétard. Oulala. Bon, potion anti-feu, le bon call. Hein. Ouais. Ah ouais, mais du coup, ça va être trop simple. Bah. Oh, du coup, on arrête là? Non, on faut le tuer quand même. Mais on va le défoncer. Il est classe quand même. Hein. Ce qui va être stylé, c'est de savoir ce qu'on va avoir loupé après. C'est vrai que je suis curieux de voir si ça débloque encore des choses. Quand, logiquement, on a tous les bloqués, donc bon. Ouais. Allez. Non, vraiment, mais... Yaglut, cinquième boss de Valheim qui va tomber sous nos coups. Ah, j'ai un super spot là, je le. Donc ça va, t'arrives à viser à l'arc là? Ouais, je vais mourir. Ça tique à 10, mon truc. Et t'as pas du tout de. T'as plus de bouffe rien là? Ouh. Oh, c'est bon, c'est bon. Reste un peu derrière, passe à l'arc. Bon, on aimerait bien que tout le monde soit en vie pour le dawn. Non mais là, non mais les 12 HP tick des 4 bouffes, c'est incroyable. 3, 2, 1, bravo! Putain, mais on est des ouf. Bravo tout le monde. Ah, très joli first try. Putain, on voit rien. Oh, ça explose dans tous les sens.
Bravo, bravo, bravo. On l'a un peu déboîté, mais on est un peu trop petit en fait. C'est ça, on est trop fort. Point faible, trop fort. Comment fallait se préparer? Il a lâché quoi? Il a rien lâché. Ah si, 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 des cubes. Il y a une taille. Ouais. Ah oui, d'accord, elle est là en bas. Putain, tout est tombé, ok. Regardez la tête là. Je peux pas le ramasser moi. Je crois que j'ai le bug. C'est bon, je l'ai. Ah non. Quelqu'un l'a eu, mais c'est pas moi. Je l'ai, je l'ai. Ok, ok. En avant, attends, fais la tournée et on va la mettre ensuite dans le trophée. Fais la tournée aux autres, je vais prendre en dernier. Il a donné des Yagloosing. Ah oui, ouais, ça c'est placeholder. Ok, ouais, placeholder, d'accord. Ah, j'ai pas eu ça, les Yagloosing. Bah, on s'en fout en fait. Non mais I think c'est genre un placeholder. En gros, c'est quelque chose qui. On a l'item mais c'est pas encore incorporé dans le jeu. C'est genre item random A quoi. Tout le monde a eu la tête, c'est bon? Qui a pas eu la tête encore? Kamset, tu l'as eu ou pas? Attends, Kamset, je te l'envoie. Tiens. Oula. Elle a traversé Kamset, le bordel. Ah, c'est bon. Et elle est revenue ensuite. Vas-y, renvoie, s'il te plaît, Kam, alors. Et allons poser ça. Bah, écoutez, bien joué. Oh là là, quelle tristesse. Oh, il piquait fort, quand même. Il faisait mal. Moi, je me suis mis de loin, je le tapais à 50. Mais c'était pas trop mal. Imagine, la... même avec la compétition de feu, il me tiquait à 11.1. Ouais, c'est énorme. Des bisous, hein, Matt. Sans la potion de feu, on se pense qu'on serait fait éclater la gueule, par contre, hein, vu les dégâts. Comme c'était moi, on serait mort au cac, hein, depuis un petit moment. Et du coup, le combat aurait été plus intéressant. Après, il y a aussi la satisfaction d'être, d'avoir bien géré. On a quand même bien géré aussi. C'est notre farm et notre talent individuel mis au sein de la communauté qui nous a permis de triompher de Yagut au first try. Je suis désolé, les tourtolox, elles ont carry. Ah, la bouffe, c'est de la folie. C'est pour ça que je voudrais tester le mode Valheim sur Nexus, tu veux plus en passante, à la partie, a priori, c'est avec pas mal de problèmes de like. D'accord, ça marche, comme ça. Bah écoute, ça après, tu nous diras, tu relanceras le serveur. Bonne soirée. Je sais vraiment à quoi ça sert la table d'artisan, parce qu'on a aucun craft dessus, quand même. En avant pour poser la tête? Ah, plus tard. De toute façon, il faudra qu'on le réinvoque pour avoir sa tête dans la maison, il faudra qu'on le refasse. On pourra le tester sans les potions de feu, voir si on a mal tombé. Oh, ça va piquer. Ça va être un combat très différent. Allons, Kamset... La table d'artisan, on en a besoin pour faire le four à son brassier. Si quelqu'un ouvre la porte, moi j'arrive. Ah, j'arrive pas. Moi, elle est ouverte. Merci. Bon, bah voilà, c'est l'aventure Valheim. C'était une belle aventure quand même, hein, putain. Ah, c'était chouette ce jeu. Genre, par contre, je suis complètement bloqué, hein, la porte absolument pas s'ouvrir. Aussi, ah, c'est bon. Le serveur, le net lag est en. Le netcode est en PLS complète. Ouais, non. Ça veut... Le jeu dit tu ne poseras pas le. Au final, on s'est fait plus démonter par les gobelins. Et encore, je te dis parce que vraiment, on avait oublié le buff. Hein. Après, avec le buff, là, ça passait, ça tenait déjà beaucoup mieux. Hein. Donc, on va dire que c'était un faux départ, les gobelins. Tu viens, Lucas, ou pas, pour mettre le buff? Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, attends, quand même. Déjà, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il est incorporé? Premier point. Si oui, est-ce qu'il est bien? Non, il y a un loup qui s'est fait tuer. Ah bah oui, bah ça va arriver, hein, c'est des créatures sauvages. Ils vivent... Moi, en plus. Ils vivent leur vie, les loulous, nat-nat. Hein. J'ai ramassé la peau, du coup. Oh. Je vais m'en faire un tapis. Yaglu, oh. C'est ça, ouais. La porte était plus dure que le boss. Ils sont venus jusque là. Ah mais je crois que c'est toi, Moon, qui a tué le loup. Mais non. J'ai vu une flèche. Oh merde. J'étais sur l'arbre. J'attends Azelos. Ah putain, on a rendu le cinquième boss, quelle tristesse. Vous le faites dans combien de temps le boss? Je dois aller faire un truc. Ah. Bon, je suis là. Ah. 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 Bah, replay. Regarde un peu l'écran, Stu, mais ouais. Oups. Tout le monde est là, c'est bon? Oh. On a chopé un trophée de Berserker aussi. Allez, c'est parti. Ah, restant la magie. Ok, donc c'est là qu'il y a la plus de magie qui va arriver. Ok. Donc, ça, biome de feu. Ça, c'est clairement pour les biomes de feu et Grand Or, ça. Résistance, feu, glace, foudre. Ah, donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être utile. Mais sachant qu'on sait qu'il y a un biome de feu et un autre biome de glace, vraiment de glace, la Grand Or qui arrive, il y a moyen que ça nous soit fort utile. Attends. Yagluf. Et yes, Stu, on l'a dépopé le boss, hein. On l'a un peu dépopé. Bravo, c'était une belle aventure quand même, merci d'avoir qu'on l'ait partagé ensemble. Merci à tous. Hein. C'était vraiment c'était très, une très cool. Tournage. C'est ça. Et bravo. Tout à fait, Titi, ouais. Terre brumeuse, peut-être en foudre. Bon, après les autres, c'est la glace et du feu, donc c'est vrai que c'est évident. Et ben maintenant, on peut faire une danse autour du feu de joie. Et en vrai, avec le clipping, Nat, on voit ton feu de joie de super loin. Oui. Ouais, j'avoue. Mieux que le fa. Bah ouais. Vous avez fait combien de temps en tout? Ça varie selon les joueurs.
Donc moi là je vais être à un peu plus de 90 heures au final tant que ça se mette à jour. Je crois que c'est Moon qui l'aura le plus du groupe. Je pense. Il a farmé Moon. Hein. Il doit être à 150 plus. Plein de life dessus sur ce jeu. 150, pour l'instant. Voilà. Nat, tu dois avoir une centaine, t'es un peu plus joué que moi aussi. Hein. Ça arrivait, j'arrivais les 4. Ouais, je dois arriver aux 100 heures. C'est ça. Donc de 90 à 150 heures. Mais globalement, parce que Moon a fait de l'extra farm, mais globalement, en prenant quand même notre temps et tout pour la partie pure PVE, ça doit être entre 90 et 100 heures. Quoi. Ce qui est incroyable pour 17 balles. Enfin, c'est le jeu le plus worse. Enfin, c'est une folie. Fermer la porte. Je peux pas passer, moi, la porte est fermée. Donc, c'est... Maintenant, on projette du contenu, faut pas oublier. C'est les Goka, yes. Allez, on peut danser autour du feu. Ah, ça, je peux rien y faire pour toi, les Goka. Attendez, moi, je peux pas passer, je peux pas venir. La porte peut pas s'ouvrir. Toi, oh, t'as une tour qui est cassée. Oh. Oh. On va effectivement débrief un petit peu. Attends, je vais essayer de passer par cette porte-là, moi. Ah, c'est ouvert ici, c'est bon. Putain, quel enfer. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était génial, de bout en bout. Ouais. Alors, l'aventure... La remboursée. Ça la... veut dire jouer 100 heures dessus. L'aventure PVE est finie. On a donc tombé les 5 boss. C'est la chanson. C'est ça qu'il n'y a pas là. On essaie en français, non plus. On a donc tombé les 5 boss. Bravo à tout le monde. Ce qui est cool, c'est qu'on l'a fait à notre rythme. On l'a vraiment fait en mode, je pense, tout le monde pour s'amuser, pour s'éclater, sans opti, sans... sans conneries dans le genre, c'était juste pour le kiff en fait de jouer. Clairement pour les deux chats, là, que ce soit chez Natamaniac ou chez moi, pour ceux qui nous regardaient, c'est un jeu incroyable. Je ne peux que vous encourager à le tester. Logiquement, vous avez très certainement dû tester depuis le temps. Si vous n'avez pas encore craqué, c'est le moment jamais de le faire. C'est un grand jeu qui a réussi quasiment tous ses aspects, que ce soit la construction, qu'on a pu le voir avec le magnifique village que Natamaniac et Moon notamment nous ont créé. L'aspect du combat, l'aspect du farm, l'aspect de l'exploration. On est encore loin d'avoir tout exploré. On voit que le monde est complètement en fait à notre... À la fois, on est à la merci du monde et le monde est à notre merci. Dans le sens où là, par exemple, notre projet, c'est ce que je ferai dimanche avec ceux qui veulent me suivre, créer un canal. C'est-à-dire qu'on peut complètement terraformer le monde, mais sans oublier à quel point il a été dangereux quand on découvrait. Quoi. Notre première rencontre avec les moustiques, avec les blobs... Putain, le poison, on l'a senti passer. Hein. Ouais, le poison, c'était le pur, hein, quand même. C'est... Les marécages, on s'en souvient. les marécages ont été un truc assez énervé. Tu as rencontré avec les moustiques aussi. Je te vois pas, Zélo, t'es passé où, toi? T'es plus avec nous. Non, moi, j'étais quoi? Ah bon? Le mec se barre, qu'on papote un peu, il se barre. Ah bah voilà. Ouais, il est parti. Aucune... J'ai fini Valheim. Belle mentalité. C'est bon, hein. Valheim... Ah, c'est bon, cassez plus les couilles, là. Tu peux reprendre une vie normale, c'est ça, maintenant? Ça y est, je peux enfin vivre. Sorti de l'addiction, hein. On reviendra, pour le coup, moi j'aurais. On a tombé le cinquième boss, on l'a first try, Uncle. On reviendra sur le jeu. Moi, il y a encore de mon côté, il y aura des petits lives qui ont popé, mais l'aspect notre communautaire, donc le truc, on viendra tous ensemble à plusieurs reprises, mais notamment en fait quand du contenu sortira, et que ce soit chez Nat ou chez moi. Moi, je continuerai un peu parce que je crois que Nat a encore quelques projets de construction. Elle en a rien à foutre. Bah, dimanche, on peut faire le projet canal. C'est ça. Dimanche, moi, j'aimerais bien effectivement faire le canal, qui serait vraiment stylé. J'ai sacrifié Ice pour le... Tu sais que ça me tique à 0-1, hein. Je ne perds littéralement pas de points de vie. Hein. C'est... Ah, moins 0-2, moi. Ah, bah, c'est ton côté weak, ça. Ouais, ça va être ça. Et ouais, donc dimanche, on va faire la création donc, d'un canal, le canal de Suez, mais ça s'appellera le canal, je sais pas, si vous trouvez un nom. En gros, le but du jeu, si vous regardez bien la map, les viewers, alors là, c'est pas flagrant, mais tout ça ici, c'est de la terre. Ok? Et en fait, ici aussi, c'est tout de la terre. Donc en gros, quand on veut partir en exploration au nord, nord-ouest, on est obligé de faire un tour là-bas. Donc là, le but du jeu, c'est juste au nord ici, on va tout creuser en ligne droite pour faire un canal immense. Ça sera dimanche. Et vous faites ça dimanche? Et je serai pas là? Mais c'est un grand canal. On va traîner tellement de pierres, tu pourras nous construire, c'est comme une cathédrale, une ville entière de pierres. On va créer un putain de canal. Donc on va creuser. Pour répondre à la question, Steven, oui, on a terminé entre guillemets le jeu, mais le jeu n'est pas terminé. Tu peux continuer, tu as tellement de contenu que tu peux encore, on peut encore continuer. Bien évidemment, enfin, je serai présente, beaucoup moins quand même, mais on sera encore présent. Et puis ils vont rajouter du contenu, donc forcément, on sera là des one a priori. Est-ce que tu stream encore là en fin d'après-midi ou tu vas cut là toi? On t'envoie des trucs à faire.
Non, je pense que je vais pas tarder. Je vais m'accorder une après-midi un peu. Parce que comme je bosse là pour les donc quelques... je, donc je vais raid quelqu'un d'autre, ça marche. Exactement. Bon, bah je quitte Discord, je remercie encore. Je vais en papoter un peu avec le live. Merci encore à vous tous. Et on va quand même s'amuser dimanche. Mais ça sera un peu notre adieu dimanche avec un immense travail de BTP collectif. Du grand BTP collectif. Attends, j'avoue, attends, un petit truc qu'on peut faire. Une belle bataille. On s'active le PVP. Il se passe quoi là si on active le PVP? Attends. Et du coup, on a pas mis un autre matériel. Alors, donc, comme je te disais, le truc qu'on a eu s'appelle le Yaglu Thing. En fait, c'est un placeholder. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont prévu de faire quelque chose avec, mais on peut pas pour l'instant le. On peut pas pour l'instant. Et il revend l'état. Alors, attendez, là, est-ce que je peux me taper avec vous? Ouais, Nat vient de me taper. Oh putain, les dégâts. Oh, il est désolé. J'ai pas d'armure, moi. Oh mon pauvre. Oh Moon. Oh Natamaniac, je vais tellement te... Oh oui. Viens là. Ah oh, mon dieu. Ah je me sauve. Salut. Viens là. Viens là. J'ai encore de l'endu, je peux courir. Moi, ma plus grande compétence, c'est la course. Viens là. Viens là. Elle l'a activé sans faire exprès parce que ça m'est déjà arrivé de tirer des flèches dessus et qu'elle perd de la vie. Vas-y, viens là, Moon. En plus, il est à Walp, vas-y. Ouais, toujours les plus faibles. Hein. Non, mais toi, Kamset, là, qui protège Nat, là. Vas-y, venez, en tous sur Ice. Tiens. Non, non, non. Attendez. Ah, j'aurais dû changer de buff. Ah, ah pétard. Ah, pétard. Oh, t'as explosé ma tenue. Je suis désolé. Venez là, je vous attends là. Oh pétain. Eh mais... Oh putain. Ah mon dieu. Viens là toi. Pourquoi il y a du poison? Mais non, t'es vraiment aux flèches empoisonnées. Oh putain. Aux flèches empoisonnées quoi. Mais non, c'est l'arc hein, c'est l'arc qui fait... Oh la vache, Kamset, ce que tu m'as mis. Putain, il m'aurait fallu Masdos là. Je veux tuer Nat. Yes, oui. Ah non, je l'ai raté. Putain, si seulement j'avais la lance sous la portée. Je crois qu'elle a pas activé le PVP en fait. Ah, mais t'as pas le PVP, Nat. Mais comment on fait? Mais regarde ton menu, banane. Non, c'est pas grave, comme ça je vous tue. Mais non, tu peux pas nous taper dessus, espèce de patate. Depuis tout à l'heure, ça fait des dégâts quand je te tire dessus. Mais non, c'est quelqu'un d'autre qui me fait des dégâts. Ah, mais si, attends. Mais. Ah, si. Ah, attends, elle peut alors que. En fait, c'est toi qui active le PVP, donc tu peux te faire taper par tes potes, mais pas vice versa. Ah, ok. Ah, mais Kamset, tu l'as pas activé non plus en fait. Kamset, t'as pas activé le PVP, c'est pour ça que je lui fais pas de dégâts. Oh, ce vieux traître. Il y avait que moi qui avait activé. Allez, assumez-le. Assumez-le là. Ramenez-vous là. Moi, je vous fight à la loyale, messieurs dames. Non, mais ouais, dans ça, il a pas du tout activé. Oh, les traîtres. Comment on fait pour l'activer? Dans ton menu, Nat, quand tu fais le tab, en haut à droite, t'as les deux flèches. Mon menu. Il faut que t'arrêtes de taper pour ça. Ah oui, je vois, ok. Bon, Moon, toi par contre. Toi, t'as le PVP, toi, viens là. Viens là, toi. Voilà, active le Nat. C'est bon ou pas? T'allais me dégommer, après, en fait, je vais te dire, tu vas me dire c'est bon et puis... Non, je te laisserai un petit temps pour le placer. Ah, j'ai fait des dégâts sur Game 7, là, par contre. Ah, voilà. Oh putain. Il m'a tué, ça y est, j'ai activé le PVP. J'ai pas mis mon. Oh putain. Oh putain, je suis en train de me faire poisonner la gueule. Oh la vache. Oh la vache. Venez là, bande de petits bâtards. Ah, je te chope toi. Ah, Kamset est en difficulté. Regarde ça. Oh putain, Kamset. Arrête de te faire poisonner toi. Oh pétard de pétard. Nat, si elle parie, vous allez sentir passer. C'est vrai que tu peux essayer de me parier. Oh mon dieu. Elle court. C'est oh, chiant. Ah, c'est stagger, c'est tes flèches. Oh. Oh, les flèches aiguilles. Non, mais ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas d'armure. Je me repose un peu pour reprendre la vie. Mais alors, Kamset, le pro des FPS là. Attends, elle est où mon épée? Je vais mettre mon épée. Viens là! Viens là! Viens là!
Viens à la cam 7. Ah. Ah mais tu l'as enlevé. Mais non, je l'ai pas enlevé. Ah mais je peux pas te tuer en fait. Il y a un truc qui fait que je peux pas te tuer. Bah oui, parce que je viens de réapparaître. Ah, il y a un truc qu'on peut pas remouer tout de suite, ok. Apparemment. Putain, ça lag. Et Nat, elle court. Nat, en doute, elle court. Ah, je fais 0 dégâts avec les points, par contre. Oh. Allez. Oh, mais putain, mais je me fais attaquer de toutes parts. Oh. Oh, la masse. Ah ouais, non, la masse, elle fait des dégâts de ouf, hein. Oh, j'ai mis une mi-life quand même. Oh mon Ada, tu fais quoi? J'ai mis un coup de hache et plus de Ada. Je crois que tu m'as paré, Nat. Hein. Ouais. Fais voir, attends, hop. Vas-y. Oh non, là je t'ai pas paré. Ah, réussi là, je suis en bronze encore. Je suis en troll, Ada. Oh, en plus, c'est la femme, ils se sont comme des enculés, ils m'ont laissé leur reste. Ah. T'es au courant que t'as une meilleure armure que moi, là? Et merci beaucoup pour le follow. Bon, Cam 7, match nul. Je pense pas qu'on puisse réussir à se tuer. Attends, je me méfie de Moon là. Oh, je peux l'avoir à la nanat. Non, mais toi. Non, mais j'ai beaucoup de vie, hein. J'ai repris ma bouffe. Hein. Oh pétard, il nous dégage avec son truc. T'as cru que je t'avais pas vu toi? J'ai envie de vue. Ah oui, Nat! Oui! Allez, encore un peu! Encore un peu! Putain, j'ai plus de vie! Ah, roulade! Roulade! J'ai plus d'endu! Viens là! Allez, on dit! Non mais. Yeah. Merci pour le follow, bienvenue! Oh putain, les bâtards! Attends, je vais tester un truc! Ah, oh, j'ai une idée! Attends, allez, t'es où? Ça rame ici là! Oh là là! Je m'en vais dans ma maison! Non mais toi! Voilà. Ah, le one shot. Human harpoon. Je peux traîner Cam 7. Attends, viens là toi Cam 7. Human release. Le pauvre. Attends, est-ce que je peux tracter une Natamaniac? Attends, un Azedos là sinon là. Bim. Oh, le Azedos. Je vais disparaître de la carte, voilà. Vas-y, tape-moi pour le coup, Lucas, vas-y, voir. Tape-moi. De quoi? Tape-moi, tape. Ah oui. 1, c'est pas mal. Ouais, je pense que... Vas-y, fais-moi ton backstab. Essaye. Je pense pas que ça marche le backstab en PvP. Essaye. Non. 18, pas mal 18. Ouais, comme... y a pas les dégâts de backstab en PvP. C'est comme ça que les vikings s'amusaient après. J'avoue. Alors... Nat, viens me taper. Je te laisse me taper, je te laisse, promis. Non. Non. Mais je te promets. Je te crois pas. Ah, tu me... Je dis... Ouais, non, c'est ça, en fait. J'ai pas grand-chose à craindre, en fait. Ouais. Bah, c'est... C'est ça, le truc, c'est qu'il... Ah pas... oui, mais bah, le mec, il s'est stoppé... Il s'est stoppé comme un fils de pute, et après, il vient de taper. Ah bon. Ah, c'est gratuit, ça. Ah, on a tous Mass Dust. Mais Mass Dust est activé ou pas, Ice? Non, là, maintenant, quelqu'un me l'a mis, par contre. Là, on vient de me le mettre à l'instant. C'est Cam qui l'a mis. C'est quoi, ce truc que t'as, Moon? Pour. Et la tombe d'Ada qui vient de s'envoler par contre. Ah, Wolf avec ça. Non, c'est bon, elle est là. Moi je la revois seule. Non, j'avais pas. Donc c'est vraiment juste l'armure brute. Hein. Ouais, là on se fait plus de dégâts là. Ouais. Maintenant en fait, avec le Mazda. Oh putain. Est-ce que vous perdez des compétences par contre? Faut qu'on fasse gaffe. Non, je fais gaffe justement. J'ai toujours le truc pas de perte de compétences, je pense. D'accord, ok. Et là on peut se foutre sur. T'as perdu ou pas des compétences? Je sais pas. C'est possible, ouais. Le mot est lâché. Ah ouais, non, mais Natamia qui a pas le temps. Bonsoir, Boumi. Je viens de voir ta dernière vidéo. C'est très gentil à toi, Boumi. Bah, en plus, on va mettre fin à la truc PvP, on va pouvoir papoter un peu. Je vais tester le contre là. Ah, vas-y, je te tape. Ah, vas-y, moi aussi je voulais tester le contre. 3, 2, 1. Ça... Mais... Je me demande si je peux pas contre parfait avec. Lucas, t'es plus en PvP, je pense. Ouais, mais je pensais que ça marchait quand même. Vas-y. T'es bon, tu l'as activé? Vas-y. J'attaque. Ouais, ça marche. C'est assez stylé ça, le fait que le compte marche en PvP, c'est plutôt classe. Hein. Eh vas-y, attends, vas-y. Ah, tu m'as tapé à 0,2, attends. Pas stagger longtemps. Vas-y, fais-moi. Mais tape-moi là. Ah oui, c'est ça. Ah oui, là, ça va être compliqué là. Je suis avec
02, 04, il me tape à 0. 0,4, merci. Pourquoi il vient de s'activer maintenant? C'est parce qu'il a, il a masse d'os. Ouais, mais j'ai, alors j'ai, là j'ai Yaglous, mais oui, il y a Kamset qui m'a mis masse d'os, donc ça a foutu la merde. Non mais. Et tain, si j'avais vu la masse. Donc j'ai pas tué Nat au final depuis le début. Hein. Mon grand regret. Oh, moi je dis j'y vais au point, moi. J'ai pas tué Nat, Nat. Hein. Mais ouais. Non, mais arrête d'essayer de me tuer. Merci pour cette belle session. Je vais essayer de me faire genre je suis streamer. Et allez-y, vous avez 2 minutes pour essayer de me tuer. Amusez-vous bien. C'est bien mérité. Je lâche le clavier. Il dit ça parce qu'il a encore masse d'os pendant 2 minutes. J'en vois tout quand tu parles, c'est faux. Bon courage. Oh putain, Ada. Mais Ada, faut arrêter. Hein. Ada, c'est cher à canon. Ça fait très Kirito quand même là dans Sword Art Online. Hein. Oh, sauf qu'il avait quand même plus de régène, Kirito. Allez, je ne bougerai pas. C'est qui est mort? En fait, vous tuez plus que vous tuez Alice. Putain, mais je fais zéro dégâts même avec moi. Je ne me défendrai pas, je vous laisse. C'est déconné. Non, je suis mort. En fait, ce qui me tue, c'est le poison. Le poison passe outre l'armure, donc ça arrive à me descendre bien. Allez, encore un peu. Je crois en vous. Allez. Merci pour le follow. L'attaque chargée de Kamset fait quand même mal. Ouais, elle me fait 20. 11. Non, elle m'a fait 11 là. Alors que t'as quand même masse d'os. 12. Mais qui Il y a eu un dommage collatéral. Ah, c'est bon, j'ai mort le poison. GG. Compétence ABC, mais ça me montre rien par contre. Il y a eu marqué en haut à gauche compétence ABC, mais là ce coup-ci, ça m'a pas dit ce qui était censé s'abaisser. Merci pour le follow. Bon, attends, je vais rechercher mon. Eh bien, bien joué pour cette belle session. Bisous sur Discord. J'ai un peu coupé la Zelos. Attends, je récupère juste mon stuff, les gens, et je vais cut le jeu. Boumi, je vais t'accueillir quand même en bonne et due forme. Attendez, je vais finir ce live correctement. Attendez, vous me prenez pour un. Mais non. Vous voulez un truc très drôle? Des soulards dans le bar. Vous voulez un truc très très drôle? Vas-y. Mon stuff vient de disparaître. Mais non. Ah si. Sous mes yeux à l'instant. Pour la dernière bataille, j'ai tout le stuff qui a disparu. Il est pas rentré à l'intérieur? Ah écoute, Non, il a disparu. Ah ici, non, mais j'ai vu le stuff, hein, j'ai vu mon cadavre et au moment où je m'en suis. Non, j'ai pas loot, hein. Au moment où je m'en suis approché, il a disparu. Je pense qu'il y a un voleur dans le. Ah, il y a peut-être un voleur, ça c'est encore autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a piqué. Mais j'ai vu personne à côté. J'ai vu que mon stuff, moi donc. Tiens, je te rends talent ça. Non, c'est Ada. Non, Ada il est à poil, je pense pas qu'il aurait pu tout loot, Ada. Mais mais si, c'est vraiment Ada. Attends, ah non, ça, mon truc a rip-up, mais je peux pas looter, moi. Vous voyez mon truc ici ou pas? Non. Oh putain. Et ça vient de redisparaître. Bon, et bah. Mmh. Et bah voilà. Non, mais. Bah, si tu te déco et que tu te reco, peut-être ça revient. On va essayer, mais. Non, mais après, ça serait le bug parfait pour la fin du jeu, quoi. Aïe, non, mais aïe. Si jamais il y a une. Ça n'a rien à voir, Purux. Les saves pers. Attends. Oh la vache! On a rien compris, peut-être. La save server, la save personnage n'est pas les mêmes. Attends, déco, en gros, attends qu'il se déco lui. T'arrives à comprendre ce que dit GameSet, toi? Attends, mon déco, pour moi, ça veut rien dire. Je suis en QWERTY. Ah, parce que je fais un effort aussi. Moi, j'ai pas envie de faire des efforts, les gens. C'est con que tu Mais c'est parce que j'ai travaillé avec des enfants de moins de 6 ans. Donc, Et puis, tu vis avec Pookie. Et je vis avec Pookie. Par contre, quand la tombe à rip-up. Tu pouvais looter là? J'ai récupéré une pioche en fer. On aurait dû tous déco sauf toi, ouais. Je ne sais pas, Purux. Mais voilà, les saves en fait de personnages, etc. Après, bon, si c'est perdu, c'est perdu. Écoute, hein. C'est pas dramatique. En vrai, rien n'est maintenant très dur à récupérer. Non, c'est vrai, mais. Le son brassier, ça se refait en un claquement de doigts. Donc, et le stuff, le fer, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas mais maintenant, je peux te dégommer du coup. Je suis sûr, je pense que je te bats quand même comme ça. Alors. Non, je vais te parier. Ça atterrit dans mon inventaire, j'ai pas pu loot. D'accord. Mais non, je pense que c'est l'aide. Mais c'est de la serre personnage comme ça. Alors, écoute, juste, ça me fait même pas tilter pour le coup. Parce que je suis trop content, on a fini le jeu, donc c'est pas. C'est très rigolo par contre que ce soit par mes potes qui me tuent que le stuff disparaisse. Hein. C'est assez rigolo pour le coup. Hein. Mais Joseph complet. Hein. Je lui ai tout le stuff en sombrassier, c'est le truc le plus simple à recréer. Le sombrassier. J'ai tué attaque mes points.
Par contre, c'est toi qui as le loot du boss. Non, mais il n'y a pas de loot pour le boss. On l'a posé le trophée à Chroma. Ouais, il n'y avait pas de... Et le place order, on s'en bat les couilles. Enfin, le boss, on le retuera. On a claquement de doigts. On pourra le mettre au-dessus de la cheminée. C'est ça. C'est ça. Non, j'ai la tombe d'Ada, hein, mais j'ai pas la... Tu as tué Ada au point. Ouais. Moon. Non, mais c'est Ada... le stuff est bel et bien perdu pour le dernier dawn, pour la petite blague. Ouais. Bon, c'est pas Osef. Je requitte Discord. À toute. À plus. Vraiment, les viewers, ton stuff est dans la terre. De quoi dans la terre? On va pas tout péter. Non, mais il est perdu, c'est pas grave, Osef.